Voici la somme qu'il faudra investir pour acquérir les collections des mangas Chainsaw Man et Katekyo Hitman Reborn, plus connu aussi sous le nom de Mon Professeur le Tueur Reborn. Et comme d'habitude en fin de vidéo, il y a un manga mystère qui est une grosse pépite. La collection du manga Katekyo Hitman Reborn est composée de 42 tomes au prix de 6,90€ l'unité. De plus, une information qui pourrait peut-être vous intéresser, pas mal de tomes qui étaient en rupture de stock ont été réimprimés. Du coup, si vous voulez investir sur l'intégrale du manga Katekyo Hitman Reborn, il faudra investir 289,80€. Aussi, petite anecdote sympathique, il est possible qu'il y ait un reboot de l'anime. La collection du manga Chainsaw Man est composée de deux parties, dont la première partie est composée de 11 tomes. Actuellement, la deuxième partie n'a pas encore commencé. Cependant, sur le Twitter du Shonen Jump, nous apprenons que le manga sera de retour le 13 juillet. Du coup, si vous voulez investir pour l'intégrale de la collection de la première partie, il faudra investir 80,19€. Maintenant, passons au manga mystère. Récemment, sur le Twitter des éditions PK, nous avons appris que le manga Air Gear allait être réimprimé. Il s'agit là d'une excellente nouvelle parce que le manga Air Gear est une grosse pépite que vous devez lire absolument. Air Gear est un manga au dessin magnifique et au scénario complètement what the fuck. La collection du manga est composée actuellement de 37 tomes et à l'origine le prix unitaire d'un tome était de 6,95€. Du coup, s'ils réimprimer le manga et qu'ils le mettent au même prix, il faudra investir 257,15€ pour acheter toute la collection. Vous pouvez le voir là que pas mal de mangas se font souvent réimprimer. Du coup, ne vous faites pas avoir en achetant des collections d'occasion beaucoup trop chères. N'hésitez pas à consulter les news par rapport au manga si jamais il y en a. Comme d'habitude, pour acquérir ces collections, vous pouvez passer par le marché de l'occasion. Il se peut des fois quand même qu'il y ait des très bonnes offres. Et aussi, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout d'un coup et vous pouvez prendre 2 ou 3 tomes par semaine, par jour ou voire par mois. Comme je l'ai dit souvent, avancez à votre rythme.